matrice qui porte, comme si on voyait la texture de la toile. Voilà, quand on regarde un autre homme, là, je vois exactement ça. Là, je vois la matrice qui porte. Là, c'est extrêmement étrange. Sans aucune forme de volume. Et pourtant, on est dans un espace trois-dimensionnel. C'est totalement absurde de parler d'un espace trois-dimensionnel, de grand trois-dimensions, alors qu'on n'a aucun volume. Je suis un peu sur mes gardes à perturber des sens de retour haptique avec des manques de retour haptique, en fait, quelque part. Cette île de glace, ce silence que nous sommes en train de devenir. Comment je me rapproche de vous? Moi, dans la lumière, je vous touche. Au commencement, j'écrivais mon nom dans la rue, sans résultat. Rien n'est gratuit. Vous devez payer avec des bitcoins et signer le contrat blockchain. On paye toujours tout. Comment vous sentez-vous? Qui vous a coupé vos cheveux? D'où vient la neige? 1, 2, 3, 4. Ages in Edgewater. C'est ça. Rien d'autre. Que ça. De la boue partout. Il faut avancer. Ce silence tout voulu, respire. En intérieur, une cathédrale, un isolement. Est-ce que tu arrives à te faire une image de ça? Oui. Bon. Ce petit lopin
c'est un endroit où je suis allé il y a longtemps, quand j'étais petit. Tu peux nous dire où tu vas Alors, je vais à Ivaoa, c'est une petite île de l'archipel des Marquises. Tu reconnais quelque chose, Arthur? Pas ici. Mais viens ici, peut-être viens ici maintenant. Inspecte un visage. Un visage qui se rapproche. Coucou Annie. Tu peux te regarder toi-même. Lentement, si tu enlèves le casque, tu peux peut-être te voir toi-même dans cette comme spectre. Ah, je ne pense pas. Parce que je pense que tu as touché le capteur. C'est la fin.